Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Disney Infinity 3. Et là, ce n'est pas Twilight of the Republic, c'est une nouvelle série. Mais comme vous pouvez le voir, toujours sur Star Wars. Alors, je crois qu'elle s'appelle Rise Against the Empire. Je suis pas trop sûr. On verra ça, ils vont nous l'expliquer. Mais c'est la suite. Alors, on n'est plus dans le monde d'Anakin Skywalker. On est dans le monde de Dark Vador avec l'étoile noire. On va voir ça. Tout de suite. Avec l'intro. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors ça, je sais qu'il y a la musique. Rise Against the Empire. Je sens que je vais avoir des problèmes pour vous le montrer. Dans leur vaillante lutte contre le maléfique Empire Galactique, les héros de l'Alliance Rebelle ont volé les plans de l'arme ultime de l'Empire, l'Étoile Noire. Une base sidérale armée d'une puissance capable de détruire une planète entière. Interceptés sur la planète désertique de Tatooine, nos héros luttent pour protéger R2-D2, le droïde contenant les plans des sinistres agents de l'Empire. Rien que ça. Mais c'est dur de dire sans respirer. Hein. Ouh, j'ai pas repris ma respiration. Bon, bref. Alors, c'est parti mon kiké. Rise Against the Empire. Ça va, Starlight et Jedi. Surtout que là c'est un nouveau personnage et il a du style sur la plaquette. Bon ça y est, c'est bon là. Lui qui s'illumine dans le noir. Allez! Aussi joli! Et maintenant? Nous devons ramener cette unité R2 sur Tatooine. Les plans qu'ils transportent sont l'occasion rêvée pour l'Alliance d'en finir avec l'Empire. C'est comme vous voulez, princesse. Allons-y. Une capsule de sauvetage? Es-tu sûr que ce n'est pas risqué, R2? Luke, tu es le suivant. Prends-nous les plans, clopante de rebelles. Oh, non! Nous sommes en mission diplomatique pour Alderaan. Seigneur Vador, on a capturé les rebelles. Ça va être un plaisir d'assister à votre interrogatoire. Joli tir, Han. La récompense attendra. Nous devons retrouver ces droïdes. On va avoir malheur. Envoyez un détachement pour les retrouver. Il nous faut ces plans. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Attendez une seconde. Chewie, tu veux bien? Ouais. Bien. Là, je contrôle rien. Des bruits de météorites en approche. C'est possible de piloter cet engin? Mais j'aimerais bien. Un faucon, et c'est parti. Ah, je peux. Par contre, je peux pas tirer. Ouh! Hop là! C'était limite. Hop, 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 hop. Hop. Et là, par contre, on a eu chaud les moustaches. Wouhou! Attention, ça va faire mal. Oui. Ça va être cher en réparation là. Ok. Le guide de mission t'indiquera la direction et la distance à laquelle se trouve le prochain objectif de ta mission. Le truc standard. Comme si on commençait n'importe quelle partie. Alors que. L'ancien général de la guerre des clones vit par ici. C'est quoi ça? Appuie sur... Oh, j'aurais jamais trouvé. Je ne suis pas du tout habitué à à Disney Infinity. Je sais pas que A, c'est pour sauter. Assez.
touche. Les pièces là? On a des pièces. Ok, on a des pièces. Mais laisse-moi deviner. Allez sur la rampe pour glisser. Glisser sur des rails en sautant dessus. Qu'est-ce que je te dis? Allô? Allô? Oh, toutes mes excuses. J'ai oublié que j'avais éteint le communicateur. Voilà, R2 et moi avons trouvé le général Kenobi. Venez vite, je vous en prie. Hey. Oh, sans déconner. J'appuie sur un bouton pour attaquer. C'est pas comme si je l'avais jamais fait. Ils ont pris un âne pour le doubler, ce truc-là. Voilà la capsule. Mais où sont les droïdes? Les hommes des sables, ce sont les pires. Oh, tu trouves? Hey, c'est parfait. Voilà, premier niveau, allez. Ok, là-haut. C'est haut. Qu'est-ce que c'est? R2 capte un signal, et celui-ci se dirige dans votre direction. Sans déconner. Soyez très prudent. On a des pièces, on peut... On a peut-être un nouveau gameplay. Tu peux jongler avec tes ennemis en les lançant en l'air et en leur tirant dessus plusieurs fois. Faire jongler tes ennemis les rendra vulnérables et te permettra de leur infliger de très gros dégâts. Voilà, bon, il y en a encore qui veulent une tannée, hein. Ok. Je récupère des pièces. Hein. Je sais pas en quoi elles peuvent servir, mais c'est certainement pour plus tard. Ok. Les personnes? Non, les personnes. R2-D2, Fispeo et Obi-Wan. Je ne sais pas toi, mais j'en ai assez de ces hôtes indésirables. Je vous en prie, mes amis, entrez. Ben voilà, mission réussie. Alors, explique-nous tout. Princesse Leia, vous êtes sauve. Oh, quel bonheur. Général Kenobi. Général? C'est vous, Obi-Wan Kenobi? Et pourquoi faire tout ce chemin pour voir un vieil homme? Dans la mémoire de cette unité R2 se cachent des informations cruciales pour la survie de la rébellion. Et maintenant vous êtes mon seul espoir pour conduire ce droïde sur Alderaan. Il nous faut un vaisseau rapide. Assez rapide pour éviter que l'Empire s'intéresse trop à nous. Vous avez de la chance, vieil homme. Il se trouve que je suis le capitaine du Faucon Millenium. C'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Capitaine Solo, puis-je vous rappeler que Jabba a peut-être mis votre vaisseau sous séquestre à Mos Eisley, car vous ne lui avez pas remboursé ce que vous lui devez. Ça m'était complètement sorti de la tête. Merci, 3PO. Pas de doute qu'une solution se présentera à Mos Eisley. Luke, patiente un instant. C'est l'arme des chevaliers Jedi. Elle appartenait à ton père. C'est pas comme si je l'avais pas utilisé il y a deux secondes. Ton père était le meilleur astropilote de la galaxie, et c'était un bon ami. Comment mon père est-il mort?
Il a été tué par un jeune Jedi qui fut soudoyé par le côté obscur de la Force. Ce disciple s'appelait Dark Vador. Vador, c'est lui qui a tué mon père ? Après ta formation, je pense que toi aussi tu deviendras un Jedi. Viens, ne faisons pas attendre tes amis. Ouais. Vador. Exactement ce qu'il me fallait. Eh ben, j'ai arrêté la vidéo ici et on reprendra la prochaine fois. À la suite de notre aventure. Ciao, ciao tout le monde !